Après trois ans d'indépendance, le Soudan du Sud est au bord d'une catastrophe humanitaire et d'un conflit interne de longue durée. C'est une crise artificielle, et ceux qui en sont responsables ont été lents à la résoudre. Les deux camps continuent de croire qu'ils peuvent obtenir plus à travers l'option militaire. L'UNMISS abrite aujourd'hui plus de 95 000 déplacés intérieurs sur ses sites, dont 40 000 personnes à Bentiu, 31 000 à Juba et 17 000 à Malakal. Avec la présence prolongée de ce nombre considérable de personnes dans ces infrastructures qui n'ont pas été construites pour cela, les conditions sont devenues très difficiles. L'étendue des opérations humanitaires au Soudan Sud est aujourd'hui telle qu'il s'agit de la plus grosse opération d'aide pour un seul pays.